Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Sinophonix. Nouvelle vidéo donc aujourd'hui d'un modèle tout nouveau de la marque Oukitel, le U10 qui se trouve derrière. Ce U10 que l'on a commencé à vous présenter en vidéo et uniquement en musique sur le teaser numéro 2. Et aujourd'hui donc on va détailler à la fois une revue technique et une revue bien sûr de tout ce qui est matériel, conception de ce Oukitel U10. Et on va le dire tout de suite, ce Oukitel U10 nous laisse une excellente impression, contrairement au U8 que vous pouvez retrouver sur la chaîne Sinophonix, sur YouTube bien entendu. Le U8 qui semblait pas très très bien né, principalement autour de sa ROM, qui présentait quand même quelques défauts et aussi au niveau matériel, puisque tout ce qui était vraiment communication GPU-CPU semblait un peu douteux, cette communication entre les différents composants. Donc là aujourd'hui ils ont donc lancé ce U10 qui est quasiment, on va dire, un flagship pour la marque Oukitel et qui présente pas mal de spécificités très intéressantes. Mais avant toute chose, on va faire déjà un petit tour du propriétaire, donc de la boîte. Un câble USB simple, une prise Europe et spécialement FR, donc aucun souci, elle se met correctement dans nos prises de courant. Donc ça c'est une bonne chose de la part de Oukitel. Mais franchement la boîte c'est très très succinct, c'est bon voilà, c'est pas d'emballage en mousse pour protéger le smartphone. Il y a ma carte SIM dedans donc qui va sonner. Quand même un trou ici pour protéger la caméra pour pas qu'elle soit écrasée, donc ça c'est aussi un bon point, mais voilà, c'est tout carton, c'est un peu ordinaire. Mais voilà, donc on tire sur les prix au niveau de la boîte. Donc on va présenter tout de suite ce Oukitel U10. Oukitel U10, donc, qui nous fait une excellente impression. On va revenir sur ses specs, qui sont d'ailleurs écrites au dos de la boîte. Donc, au niveau des caméras sur ce smartphone, donc à l'arrière, on a une 16 mégapixels qui filme en Full HD 1080, une caméra avant de 8 mégapixels. Au niveau de la RAM et de la ROM, on a 3 Go de RAM et 16 Go de ROM, pardon, je vais y arriver. 3 Go de RAM, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau de la batterie, il nous indique qu'on a une batterie de 2850 mAh avec un écran donc Full HD type IPS de 5,5 pouces. Donc Full HD, on est bien d'accord. Et c'est un écran important à noter, un écran JDI. Et donc, vous le verrez par vous-même, un écran franchement très lumineux, très belle qualité. Vraiment très bel écran, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Au niveau du CPU, donc c'était un 6753 à 1,3 Go. Voilà. Il est en Android 5.1 et lors de notre première mise à jour sur ce smartphone, on a eu une mise à jour OTA. Donc ce qui est aussi de ce côté-là un bon point, parce que d'autres fabricants ne proposent pas la mise à jour OTA et il faut aller chercher donc la ROM sur leur site au niveau de leur forum et mettre à jour soi-même à jour le téléphone, donc ce qui n'est pas terrible terrible. Donc rapidement, classiquement, mais bon, on va le faire rapide. Vous verrez, ce smartphone a une LED de notification. Donc ici la caméra, le haut-parleur avant avec une petite grille à l'intérieur de la couleur de la bordure en aluminium. Les capteurs de proximité de lumière. Ici des boutons. Alors, ils sont rétroéclairés. Je ne sais pas si vous allez les voir, mais le rétroéclairage est vraiment, comment dire, faiblard, on va dire. Alors, je vais mettre mon doigt pour... Mais alors, voilà. Alors, est-ce qu'on vous allez les voir?
Oui, on voit légèrement, voilà, très 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 légèrement. Donc il faut être dans le noir vraiment très complet pour voir ces boutons. Et malheureusement, en pleine journée, bon, il faut savoir, normalement vous avez l'habitude dorénavant, mais pour un nouvel utilisateur, il n'y a même pas le dessin des touches. Et ça, c'est bien dommage parce que vraiment le rétroéclairage de ce smartphone est vraiment trop faible pour qu'on puisse retrouver les touches lorsqu'on est un nouvel utilisateur de ce type de smartphone entièrement tactile. Donc ça, c'est un point bien dommageable sur ce smartphone, c'est voilà, ces touches avec un rétroéclairage vraiment très faiblard. Donc sur le côté gauche, ici, vous avez la petite trappe pour mettre votre carte SIM. Alors, il est double SIM. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs la LED de notification, voilà, elle clignote. Voilà, donc la preuve que celle-ci fonctionne correctement. Donc un autre point aussi peut-être un peu négatif, j'ai retiré du coup ma carte SIM, je ne la remettrai pas, comme ça on sera tranquille pour les appels. Toc. Donc la trappe, ici le petit tiroir, donc double SIM, certes, ou alors simple SIM et carte micro SD. Donc on ne peut pas à la fois avoir une carte donc micro SD et avoir une double SIM en même temps. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est un peu le principe actuel des téléphones avec ces petits tiroirs. Donc sur le côté droit, bouton power, bouton volume plus ou moins à l'arrière, donc la caméra de 16 mégapixels avec une double LED. Ici, vous avez blanc au-dessus et ambré en dessous. Le capteur pour les empreintes, donc la marque en bas. Ici, donc le haut-parleur qui se trouve derrière de l'aluminium. Donc ça ne vibre pas trop. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a même pas de petit picot pour surélever un peu. Donc dès que vous posez le smartphone, le son est entièrement étouffé. En dessous, donc le micro et le micro USB pour la recharge. Un autre point peut-être un peu dommage, il n'y a pas de second micro pour améliorer le son lorsque vous parlez au téléphone. Donc ça c'est un peu dommage. D'autres aujourd'hui le proposent. Bon, il n'est pas monté sur ce Oukitel U10, mais vous allez le voir de toute manière, l'écran est juste très très beau. On remet. Alors, j'ai un peu de mal là, je mets le doigt, je crois, mais il n'est pas a priori celui-ci en 360 degrés, hein. Donc c'est vraiment remettre le doigt tel que vous avez enregistré votre empreinte. Donc il faut vraiment que je prenne le téléphone bien droit et mettre l'index donc du coup bien droit. Donc vous le voyez à l'écran, il est très lumineux, il est aussi lumineux en vrai. Honnêtement, il n'y a vraiment rien à dire sur ce smartphone. Il est rapide. Un toucher vraiment excellent et qui marque très peu les empreintes aussi. Donc je pense qu'il y a une petite couche de protection sur l'écran. Bon, à force bien entendu, mais comme sur les Samsung Galaxy, y compris d'ailleurs le S6, toute dernière génération, au bout d'un certain temps, vous avez quand même les empreintes, bien entendu, si vous avez les doigts gras, qui vont commencer à marquer de plus en plus. Sur celui-ci, ça fait exactement la même chose. Donc plus vous allez l'utiliser, plus les empreintes vont se marquer. Bon, bref, donc on va passer tout de suite au test. Alors on va commencer tout de suite par, on parlait de l'écran, donc le screen test, et vous allez le voir. Très très belle réussite cet écran, très honnêtement. En plus, il a des bordures beaucoup plus fines que d'autres qui sont un petit peu plus chères. Très très honnêtement, très très bel écran. Il n'y a vraiment rien à dire avec on se croirait donc sur une technologie AMOLED, tellement le noir est profond. Il y a vraiment donc au niveau des petits pixels, bah, on a tout vérifié, donc il n'y en a pas aucun n'est mort. Bref, ils sont tous vivants, les petits pixels. Voilà, le rouge est bien pétant, très vif. Le vert, vous voyez, bon, il tourne au jaune un peu, mais voilà, il est très très bel écran. Vraiment, il n'y a
vraiment rien à redire de ce côté-là de la part de Outitel sur ce U10. Les niveaux de gris sont juste parfaits. Vous voyez qu'il n'y a pas de, il y a même pas de halo, il y a pas grand-chose. Donc peut-être un petit point en dehors de l'écran. Hein. Un point assez négatif, c'est le fait d'avoir une coque entièrement métal. Donc moi, je vous conseille de prendre, si vous désirez acheter ce smartphone, de prendre une coque en silicone ou un flip cover, mais une coque en silicone suffit amplement. Ça tiendra mieux en main et ça glissera moins parce qu'il glisse pas mal en main. Le fait de cette coque unibody en métal, ça glisse un peu en main. Donc vous voyez que les dégradés de couleurs sont nickel. La trame de l'ORTF, hein, voilà. Donc le screen test, voilà pour le screen test. On continue avec notre. Bref, GPU Bench, pourquoi je dis bref, je ne sais pas. D'après mes souvenirs, je l'avais lancé, mais non, en fait, je ne l'ai pas lancé. Donc, on va le lancer directement. Comment rencontrer des jolies filles dans votre coin? Sympa, super, voilà. Donc, on va lancer le benchmark GPU et on se retrouve tout de suite après avec les résultats. Donc, au niveau de ces résultats, comme vous pouvez le voir, c'est des scores qui pètent, hein. Il n'y a pas de souci. Il est sacrément bien fourni en termes de GPU et de CPU, puisque le 6753, de toute manière, un Giga 3, bien sûr, il envoie quand même. Et là, le GPU, le Mali T720, avec ce processeur, fait des petites merveilles sur ce smartphone qui est quand même à un prix plutôt intéressant, on verra ça à la fin, mais vous voyez une moyenne de 55 frames avec un score donc sur la résolution d'écran Full HD à 32 855 points. C'est juste tout parfait de ce côté-là. On va regarder le score du désormais classique pour tout le monde, du score AnTuTu, puisque tout le monde le veut. On va regarder ça tout de suite. Donc en cours d'initialisation. Donc voilà le score donc de ce Outitel U10, le score validé donc par AnTuTu à 32 209. On va regarder les informations fournies par AnTuTu sur ce smartphone. S'il veut bien, voilà. Alors, je vais rester en bas, je vais zoomer, je bougerai le téléphone. Donc, on est bien sûr de l'Outitel U10 en Android 5.1, donc avec le CPU 6753 de chez MediaTek, le Mali T720, donc avec une résolution Full HD, une caméra arrière donc de 16 mégapixels annoncée. Ensuite, au niveau donc de la RAM. Donc on est bien à 3 Go de RAM. Au niveau donc de la ROM disponible, on tourne autour des voilà 12 Go annoncés. Là, il nous annonce 11,5 Go. Ensuite, on est bien à 1,3 Go pour le MT6753. Donc toujours pareil, l'affichage en Full HD. On est à 480 dpi, ce qui est plutôt classique pour un écran 5,5 pouces, comme vous l'aurez remarqué. Je ne crois pas l'avoir dit, mais ça se voit tellement qu'aujourd'hui, entre un 5 et un 5,5, on voit quand même dorénavant facilement la différence. Donc une caméra frontale de 8 mégapixels, il fait d'ailleurs aussi d'excellentes photos, on verra ça plus tard. Et puis voilà pour le reste, hein. Donc après, capteur de luminosité, donc on a la boussole, on a le capteur de proximité et l'accéléromètre, bien entendu. Donc voilà pour AnTuTu.
On va regarder maintenant le score de la batterie avec Geekbench. Donc je vous rappelle, la batterie c'est une 2850 mAh, mais on a un MT6753 à un JA3, donc qui consomme plus qu'un 6735 bien entendu, et surtout un écran donc Full HD. Donc on va regarder les résultats tout de suite donc de la batterie. Show results. Et on tourne sur 8h20 de tenue avec les tests complets de Geekbench. C'est pas mal, ça pourrait être mieux, mais voilà la finesse. Il fait 8 mm d'épaisseur ce smartphone. Donc 8 mm, donc la batterie doit être à peu près ici. Donc on est bien d'accord, on ne peut pas mettre un monstre. Ou alors on l'aurait fait un peu plus épais. C'est un choix de la part d'Oukitel de rester sur un smartphone assez fin, quand même léger en main par rapport à un P8000 par exemple. Un P8000 qui est quand même lourd en main. Celui-ci reste léger et on tient donc quand même 8h20. Donc une journée en travaillant un peu dessus, sans trop jouer tout de même. Bon, de toute manière, on conseillera avec ce type de smartphone qui tient 8 heures de partir quand même, donc avec un powerbank, bien entendu, ce qui vous permettra de le recharger au cours de la journée si vous ne voulez pas partir avec votre prise de courant. Bref, donc au niveau des informations, on retrouve les mêmes informations que sur AnTuTu. Au niveau donc des benchmarks, on va pas les faire puisque vous avez le score AnTuTu. Bref, la tenue de cette batterie sur une journée traditionnelle, c'est 8h20. Donc voilà, plutôt résultat moyen, mais pas mauvais non plus. Donc on embraye maintenant avec les deux tests. On va faire deux outils en même temps puisque c'est rapide pour le premier. Donc, vérifier les fréquences incluses dans ce smartphone ainsi que le phone tester pour voir les différentes fonctionnalités que sont les accéléromètres et autres. Donc, on va regarder tout de suite le MTK Engineering. Voilà. Au niveau des band mode, donc la SIM 2, elle n'est qu'en 3G et la SIM 1 contient l'ensemble des fréquences. Donc 3G, pourquoi j'ai dit 3G pour l'autre? C'est une erreur, vous m'aurez compris, hein, vous m'aurez corrigé. On est en GSM pur sur la SIM 2 et en SIM 1, donc mode GSM, donc le mode 3G avec la bande des 900 et le mode 4G, donc LTE avec la bande 1, 3, 7 et 20. Tout est bon pour nous, il n'y a rien à redire de ce côté-là. Donc on continue avec le phone tester. Donc le statut des différents capteurs. Donc l'accéléromètre, vous voyez qu'il n'y a pas de souci. Le compas, pareil, vous le voyez, il fonctionne correctement. Les champs magnétiques, bon, voilà. La proximité, NIR, phare. Et la lumière. Là, voilà, vous voyez qu'il est à 1280 lux. On va mettre là en temps ordinaire classique, en dehors des projecteurs, on est à 640. On va mettre la 20, on est à 280. Et vous voyez que même le capteur d'ailleurs de luminosité a fait varier la luminosité de l'écran. Donc, c'est tout bon de ce côté-là. Ensuite, donc le Wi-Fi fonctionne correctement. Aucune perte de Wi-Fi, la borne se trouve un peu plus loin quand même et vous voyez qu'on est quasiment un fond avec un gros mur de béton entre nous. Donc c'est plutôt bon. La téléphonie, donc vous aurez vu les bandes, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau du GPS, vous verrez plus tard le GPS en extérieur. Au niveau de la batterie, donc voilà ce qu'il nous annonce. La publicité est très dérangeante. Donc on est à un niveau de 43% de charge, elle est à 29 degrés et il nous reste 6 heures. Vous voyez que, ça fait 6 heures qu'elle est en route et il nous reste 43%. Voilà. Donc
sans trop l'utiliser, on arrive à fonctionner, je pense, un peu plus de 8h30, contrairement à ce que nous a dit Geekbench d'ailleurs, puisque Geekbench lance régulièrement des tests sur le téléphone pour de temps en temps charger la batterie, la reposer, la recharger, ce genre de choses. Donc là, ça fait, voilà, donc ça fait 6 heures que le téléphone est en fonctionnement, il reste 43% de charge, donc ce qui est assez bon. Le multitouch, pas de souci de ce côté-là. Voilà, si on a 4, on a 5. Alors attendez, hop. Tu veux pas garder mon résultat des 5? Voilà, 4. Ben alors, il ne veut pas garder le résultat. Bon, vous avez vu 4, mais il y a 5 aussi, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, il fonctionne parfaitement. La caméra. Donc, 12,6 mégapixels à l'arrière, donc on est aux 13 mégas annoncés. 8 à l'avant, il n'y a aucun mensonge de la part de Wookitel sur les caméras, ni sur la mémoire d'ailleurs. Au niveau du système, donc c'est du vrai 5.1 et non pas un 5.0 qui serait patché par je ne sais qui. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc on est bien sur un 6753 à 8 cœurs, 1 giga 3, 3 giga de RAM. Ensuite, l'écran, on est bien en 1080p, donc du Full HD, 480 dpi. Il nous annonce du environ 4,6 pouces. Donc, mais ça, voilà, comme je l'ai dit sur une présente vidéo, j'ai de plus en plus de doutes sur Phone Tester à ramener en fait un bon résultat sur la taille de l'écran, puisqu'il se fie en fait aux résolutions et dpi. Donc, il fait une moyenne. Alors, la moyenne est un peu bizarre, ce qui retourne. Bon, on a 12 gigas au total de disponibles sur les 16, puisqu'il y a 4 en fait de prix par l'OS. Ensuite, vu tout ce qu'on a installé, des choses diverses et variées, y compris des gros jeux, on est à 4 gigas de prix, il nous reste 7 gigas 5 quasiment. Voilà, donc au niveau du phone tester et donc au niveau des fréquences. On va tout de suite tester la caméra. Donc ici en intérieur, et on vous mettra en incrustation des photos prises en extérieur. Donc on y va pour les photos d'intérieur. Donc notre Phoenix. On va prendre la boîte ici avec le logo. Voilà. Puis tiens, bah, ça fera trois photos, une boîte de tic-tac. Oups, vous voyez, quand je vous dis il est léger, il glisse en main. Ça, c'est un peu son point, je trouve, négatif. Donc, vous voyez que la mise au point se fait rapidement. On va regarder les photos, donc, prises en intérieur. Je vais rester en bas parce que ça m'évite de fatiguer mon bras et je vais zoomer. Voilà. Vous voyez que la définition est franchement... On voit les petits tic-tac à l'intérieur qui sont vraiment très très belles caméras, honnêtement. Donc là, c'est un orange. Donc la boîte Wookitel, hein, mais... Là, le orange est un peu déformé et donc avec la lumière des projecteurs, donc le métallisé est devenu bleu. Mais ça, c'est dû à la lumière. Et donc, notre Phoenix, vous voyez qu'on peut poster cette photo sur le net. Ensuite, donc, le GPS. Vidéo donc en extérieur, donc regardez tout de suite cette vidéo.
Donc, comme vous avez pu le voir, le GPS fonctionne très parfaitement. Il a été ultra rapide. C'est aussi très honnêtement un vrai succès ce GPS-là, parce que en voiture c'est la même chose. Le recalcul de la route, la triangulation est très rapide, donc tout se fait très rapidement et c'est vraiment une réussite aussi de ce côté-là. Donc on va vous présenter maintenant donc un petit jeu. Comme vous avez pu le voir, on utilise en ce moment toujours le même, il faudra peut-être qu'on change un peu. Donc un jeu en 3D qui à la fois gère le tactile et la vitesse, donc qui s'appelle Lego Race. Comme vous avez pu le voir donc sur d'autres smartphones, c'était rapide, mais de temps en temps il y avait des petits lags. Donc vous allez voir les résultats sur ce U10 ou Kittel. C'est donc ici la voiture. Donc, comme vous pouvez le voir, très honnêtement, pas de ralentissement. Le jeu fonctionne très parfaitement. Sur ce U10. Regardez la vitesse, hein, c'est très 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 fluide. Il n'y a rien à redire non plus de ce côté-là. De toute façon, il suffisait de voir les tests sur donc GPU Bench. Je sors pour vous apercevoir donc que la démo intégrée à GPU Bench pour faire les tests était très très fluide. C'est la même chose sur les jeux. Donc c'est un smartphone qui pour moi est complet. Il nous a permis de tout faire. Les accès internet sont nickel. L'accélérateur dans les pages web, c'est nickel aussi. Je vais pas vous le montrer parce qu'on en a déjà fait pas mal là. Mais c'est vraiment pas grand-chose à redire. Donc, le seul test que l'on n'a pas fait encore, c'est le test donc OTG. Donc, j'ai mon lecteur de carte micro SD. J'insère. Alors, c'est mon lecteur là qui a des problèmes ou quoi? Parce que j'avais fait un premier test, c'était concluant. Tac, tac, tac. Donc, il n'apparaît pas. Pourtant. Il me semble que je vais peut-être changer de câble, je reviens de suite. Donc, me voilà revenu avec un autre câble, mais aussi un autre lecteur, parce que je crois que soit c'est le lecteur, soit c'est le câble, mais donc j'ai une clé USB. On va la connecter. Voilà, donc préparation. Ok, stockage USB externe prêt. Voilà, donc il n'y a pas de souci, il est bien donc OTG ce U10. Sorti comme une brute, mais c'est pas bien grave. Donc ça c'est fait. Et la dernière chose que l'on va voir avec vous avant d'aborder ses points négatifs et ses points positifs, c'est son poids sur ce U10. Reste là, toi, le Phoenix. Alors, on va pousser jusqu'à temps que vous puissiez bien voir. Donc voilà, on va attendre qu'elle se mette à zéro. 167 grammes. Donc, je crois que Oukitel l'annonce à 170, me semble-t-il.
Donc là, poids mesuré, 167 grammes sur une surface donc bien plane. Si on ne touche pas à tout, donc voilà, 166 grammes, 167 grammes. Très honnêtement, face aux plus de 200 grammes de certains, il est très léger en main. Il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Donc on va clôturer sur ce Houkitel U10 au niveau de ses points positifs et ses points négatifs. Point positif, l'écran, clairement, l'écran est juste magnifique. La finition métal, donc on sent qu'il y a un vrai travail de fait. Même si on sent que voilà, c'est pas non plus le travail comment dire, de métal en CNC, donc fait par numérisation et fait par ordinateur. Bref, c'est du châssis alu, une coque alu. Ça sonne pas creux, ça sonne vraiment le plein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Comment dire, après, je ne sais pas d'ailleurs si c'est des marques, ça. Si c'était des... Voilà, donc vous pouvez le laver. Bref, vous voyez que ça s'est nettoyé ici. Donc, châssis alu. Son défaut par rapport à ça, ça sera qu'il glisse excessivement dans les mains. Donc, ça, c'est un point négatif. Autre point positif, en dehors de l'écran, les caméras qui sont d'excellente qualité. Donc, vous avez 8... à l'avant, hein, pour rappel, et donc 16 à l'arrière, c'est juste nickel de ce côté-là. Donc un capteur d'écran, capteur d'empreinte. Voilà, vous voyez, si je mets bien le doigt, il fonctionne instantanément. Donc il faut bien placer le doigt. Voilà, ok. Donc il est assez rapide, il fonctionne bien, mais il vous faut placer le doigt correctement. C'est un point négatif de ce côté-là, mais les côtés positifs, c'est qu'il fonctionne parfaitement. Point positif aussi, donc LED de notification, rétroéclairage, pardon, des boutons. Le point négatif de ce côté-là, c'est qu'ils sont très très faibles au niveau du rétroéclairage. Ils auraient pu être un petit peu moins radins, je ne sais pas ce qu'ils ont intégré derrière, mais c'est un peu faiblard. Mais vraiment la grande qualité et vraiment le très gros point de ce smartphone, c'est son écran. Et je n'ai aucun doute sur sa durée de vie, parce que la finition est vraiment, je trouve, nickel. Moi, j'ai voilà, pas grand chose à dire du côté finition. Donc ça, moi, je le nettoie avec des produits à carreaux. Ça se nettoie très facilement, un petit peu d'alcool et hop, ça part tout seul, les traces de gras et autres. Après, bon, durée de vie d'ici 2 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, après près de 10 jours de test, il n'y a rien d'autre à redire sur ce smartphone. Donc, smartphone Houkitel. Je me log. Allez. Voilà, vous voyez, dès que je mets un peu le doigt de travers, ça capte pas. Après, ils ont changé l'interface, customisé l'interface très légèrement. Donc, il n'y a pas de grande révolution. Ils appellent pas ça OS ou Houkitel ou je ne sais quoi. C'est juste une customisation légère donc de Android. Après, vous pouvez passer un launcher alternatif si vous avez envie. Il est livré donc avec... par défaut, sans problème avec donc le Play Store, différentes applications de chez Google. Moi, j'en ai installé, vous voyez, un certain nombre. Tout fonctionne correctement. Et donc, voilà, pour clôturer sur ce Houkitel U10. Donc, si la vidéo vous a convenu et vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce vert. Ça nous pousse à continuer. Vous pourrez retrouver ce smartphone en vente sur la boutique sinophonix.fr, donc celui-ci, donc le smartphone de test, entièrement testé et validé, donc il n'y a pas de souci, il fonctionne correctement. Vous pourrez le retrouver donc à prix, quasiment à prix coûtant, je crois que la boutique se fait 10 euros dessus, c'est tout, pour pouvoir en acheter d'autres, à tester, en dehors de ceux qu'on nous envoie, soit les fabricants, soit des boutiques, bref, mais celui-ci, Houkitel, ne répond pas à nos demandes, donc nous l'avons acheté.
Et celui-ci vient de la boutique Gearbest. Gearbest qui est vraiment nickel au niveau des envois et au niveau des smartphones que l'on reçoit. Pour l'instant, c'est avec Gearbest qu'on a eu le moins de problèmes. Donc, ils sont très très fiables. Donc, voilà pour la présentation du Wookitel U10. Donc, je le répète, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, un pouce vert, à vous abonner. Et puis, écoutez, à bientôt et puis à la prochaine. Salut !